Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Gaming Live, sur ma chaîne perso, pour du Paper Mario 75, car oui, tous les mardis soirs, nous allons retracer la saga des Paper Mario. Donc, comme je l'avais dit au précédent live, et notamment jeudi, où vous avez d'ailleurs la rediffusion qui est disponible sur jeuxvideo.com, vous tapez Paper Mario et je pense que vous allez y tomber dessus. Donc nous allons faire toute la saga des Paper Mario. Nous allons faire donc un let's play dessus, donc recommencer du début jusqu'à la fin, terminer tous les Paper Mario, donc de Paper Mario 64 jusqu'à Super Paper Mario, et je m'arrêterai là. Pas clair. Il n'y a pas d'autres Paper Mario qui soient sortis. Petit troll, je m'en fous. Donc on fera ça. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que jeudi, il y a Level Up, donc je remplace encore Végito pour du lourd, mais vraiment du lourd. J'espère que vous serez là. Ça sera sur Paper Mario, la porte millénaire, le Paper Mario que tout le monde, voilà, tout le monde adore. Généralement, quand tu demandes qu'est-ce que c'est le meilleur Paper Mario, ils vont te dire les Paper Mario, la porte millénaire, et les gens ont raison. Et on va redécouvrir ça. On redécouvrira ça jeudi. Donc ça sera, je crois que les horaires ont changé, de 15h à 17h sur la TV1. Bien. Bonsoir tout le monde. Salut Link, salut Lampsy, Gabriel, Guillaume, Aikoban, Conchiva. Salut. Je vois que Fox est entré sur le chat. Des bisous, Fox. Et qui dira? Des bisous, les gens. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va recommencer. Je vais effacer un truc. Non. Ah oui, j'ai appuyé sur B. J'ai appuyé sur B, ça va pas le faire. Alors, effacer. Voilà. Non, oui. Ah, c'était le fichier que j'avais commencé au live jeudi. Recréer un, vite fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai que le stick. Alors, hop. Hop. Vous me dites si vous entendez bien, si le son du jeu est pas trop fort, et surtout si vous voyez bien, si vous m'entendez convenablement. C'est en. Je rêve où j'ai pas mis un E. Bien joué. Et comment je m'appelle, hein? Je sais pas. Hein, je sais pas trop. Ah, c'est bon. C'est bon. Faut y aller. Allez, parti. Alors, s'il y en a qui veulent que j'explique un peu l'histoire du jeu, vous me le dites. Donc, bien évidemment, je vais faire mes doublages dégueulasses parce que je ne l'ai pas fait jeudi dernier. Et d'ailleurs, ce jeudi, non. Enfin, ce jeudi aussi, je ne le ferai pas pour Paper Mario Port Millénaire parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans les Paper Mario. Et j'ai que 2 heures à chaque fois. Donc, j'ai pas le temps de faire les dialogues, etc., etc. Donc, je les ferai pas, je ferai tout ça sur ma chaîne perso tranquillement. Non, je ne joue pas sur émulateur, je joue sur la version console virtuelle de la Wii. Tu entends nickel mon côté? Ah bah parfait. Impeccable. Alors salut Poussin. Ah, salut Décival. Ah, du Paper en plus du Paper Mario, parfait. Voilà le courrier! Je fais très bien, hein, par à Kev. Alors on va essayer de refaire l'accent italien dégueulasse qu'on avait fait pour Superstar Saga, tiens. Ça va être marrant. Ma, hey Mario, on a reçu une lettre de la Princess Peach. Je vais te la dire, Doc. Quel accent italien magnifique. Alors on va faire la voix de la Princess Peach, ça va être cool. Au château cet après-midi, je serai heureux si Luigi et toi pouvez venir. Oh, de nombreux invités souhaitent vous rencontrer. Il y aura tout plein de bonnes choses et toutes sortes de divertissements, bien évidemment. Amitié. Ah, bah oui, divertissement, c'est ça qui est bon. C'est où le pinard et le gâteau? Donc, bien évidemment, le meilleur moyen de locomotion, c'est le tuyau, hein. Pas d'embrouille, hein. Le tuyau, best moyen de locomotion ever. Voilà. Ah non, mais. Voilà. Si un jour, là, t'as une panne de bagnole, si un jour, tout est saturé, un petit coup de tuyau et tout va mieux. Hein. C'est normal. La rediff sera sur YouTube, parce que Twitch, j'ai pas encore la clé, nécessaire pour pouvoir streamer.
sur Gaming Live et Twitch, parce qu'il y a eu le. Bah voilà, vous savez que Twitch a été hacké, donc il y a eu un reset complet. Et donc du coup, dès que j'ai la clé de la porte de la NDLC, je ferai. Ça repassera sur Twitch. Pour l'instant, on reste sur Gaming Live. Ah, quel magnifique chat, on m'impressionnera toujours. On dirait que presque tous les invités sont déjà arrivés. C'est vrai. Bon, on va te laisser là, Luigi, hein. Ouais, on va te laisser là. Bon, allons voir ce qu'il en est. Ah, j'ai réveillé le quatrième cristal, GG. Hein. Ça avance bien. Non mais ouais, non, mais on va pas discuter avec tout le monde, voilà. Tout le monde est en train de planter, c'est cool. Dans la fête. Donc présent le magnifique fruit sans vie dont je suis le dont je suis l'habitant. Mes aïeux, je suis en temps, je dois acheter des souvenirs avec Alité. Alité. Je sais pas s'il y avait un jeu de mots, mais. Ah mais il y en a toujours de façon avec dans les Paper Mario, dans les Mario et Luigi. Hein. On y est habitué, Intelligent System Nintendo. Ça marche bien. Bon, normalement je pense pas que j'aurais besoin de piles, j'ai vérifié mes jauges, ça a l'air d'aller. Je pense que ça va aller. Ah, le jeu de la vie encore. Salut, Franck Sinastra. Oh, Mario, tu es venu me voir, tu es si mignon, reste mille fois, petit cœur. Je me reposais juste un peu, c'est fatigant de s'occuper de tous ces invités. Rembobinage, tu te fous de ma gueule, t'es juste là, les invités ils sont en bas en train de se piffrer, t'en as qui sont bourrés, t'en as qui vomissent partout, et toi t'es là, affalé, sur ton canapé, sur ton divan, et tu me dis que tu t'occupes des invités. Of course, Peach, on n'a pas la même notion de s'occuper, mais très bien. Personne ne nous dérangerait ici, et si on bavardait un peu tous les deux? On passe au chaud. Ah, salut Sabrina, et bisous. C'est très beau aujourd'hui, si nous allions passer un moment sur le balcon, qu'en penses-tu, Mario? Je le dirai pas deux fois. Ouais, c'est l'anniversaire effectivement de Zelda Wind Waker aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bisous à quelle console? N64. J'aurais peut-être dû le préciser. Ouais, ça va bien ça, mais toi. Comment vas-tu? Mais que se passe-t-il? Mon dieu! Le château s'envole! Ah! Incroyable, les effets technologiques de Gouvre. C'est fou. J'ai chaud, bah ouais, tu m'étonnes. Nous, c'est un peu le contraire, on a froid. Tu vas bien, Mario? Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Et dans les étoiles, écoute, hein. Oh non, rien, on est en plein... Je peux voir les étoiles. Eh oui, on est en plein jour, ouais. Et tu peux voir les étoiles. Bouhahaha. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, prendre le speech. Father, c'est impossible. C'est toi qui avais tombé au sol, n'est-ce pas? En même temps, qui tu veux que ça soit d'autre? Après, les Goombas ou les Koopas, hein. Qu'avez-vous fait? Ouais, c'était moi. J'ai fait décoller ton château qui se trouve maintenant sur le mien. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ah, je prends le contrôle de ce château, ma jolie. Et tu vas m'obéir! Ouh, je suis là. Hein, quoi? Mario, mais quelle surprise! Ah, pas tant que ça en fait. Je t'attendais, toujours aussi collant, je vois. Mais cette fois, tu ne pourras rien contre moi! Tu n'as toujours pas compris, Bowser? Jamais tu ne vaincras Mario! Pourquoi ne reviens-tu pas? Et étais-tu? J'admets que j'ai eu quelques problèmes par le passé, mais cette fois, c'est différent! Je vais gagner! Allez, mon grand, je t'attends! Effectivement, il va gagner. Spoil! Spoil, il va gagner! Mario, j'ai foi en toi! Disons que c'est mal engagé là par contre. C'est très très mal engagé. Parce que là en fait je suis obligé de perdre. Voilà, je lui fais un dégât, alors là c'est le combat passionnant. Hein. Voilà, moins un chacun, bien évidemment. Ah bah oui, mais tout le monde a la même voix exactement. Ah moi je fais une voix de gourde à la princesse Peach, hein, bien évidemment. Je vais pas embêter.
Donc là, il y a pas grand chose à faire. Hein. Il y a juste, voilà, il y a juste à s'attaquer. C'est un peu la phase, voilà, c'est la phase tuto. C'est bon, vieux Mario, tu es une vraie plaie. Et aujourd'hui, tes attaques pitoyables ne serviront à rien. Car j'ai la baguette étoile. Regarde un peu ça, je l'ai prise de ma vraie étoile, c'est la baguette étoile. Elle a le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu d'un monde entier. Et lorsque je m'en sers pour augmenter ma force, même toi, Mario, tu ne peux plus me vaincre. Eh, j'avoue que là, tu me surprends et tu vas être très puissant. Je n'ai rien de pouvoir faire. Ça te plaît, Mario? Pas vraiment, je m'y attendais pas trop. Ah, là je crois que je suis obligé de décéder. C'est tout ce que tu as dans le ventre, tu me fais pitié. Je n'ai rien senti du tout. Je vais dead. Et après c'est. Au secours, je suis en train de soutenir Mario, mais c'est tout. Je peux rien faire d'autre. Impose-toi, donne-lui ton pouvoir, donne-lui des points cœur, fais quelque chose. Non, je préfère rester comme ça. À prier. À patienter. Ah, ça explique. C'est Arex. C'est Arexian qui l'a fait ça, Gabriel. C'est lui qui a fait l'overlay. Moi, je m'en doutais, Mario. Tu ne fais pas le poids contre moi. Je ne m'amuse même plus avec toi, Mario. Finissons-en. Allons-y. Adieu, Mario. RIP! Game over! Salut Youyou! Oh non, Mario! Ouais, j'y suis arrivé! Je l'ai enfin battu! Félicitations! Quelle belle victoire, votre grand-mère! Vous êtes vraiment le meilleur! Tant que j'aurai la baguette étoile, tous mes souhaits se réaliseront. Je suis invincible. Bien, bien, bien. Débarrassons-nous de Mario. Il ne sert plus à rien de toute façon. Au secours, je suis en train de mourir. Ah, il faut que quelqu'un sauve Mario. Ça ne peut pas être un game over. Oh non, Mario! Mais saute, t'as une ombrelle. Saute, fais quelque chose, va le sauver. Rends-toi utile. Eh oui, pour une fois que Bowser gagne. Effectivement. C'est vrai que c'est la première fois où on le voit gagner. C'est vrai. C'est tellement rare. Et voilà, et le jeu commence ainsi. Je pense que j'aurai le temps, ouais, en 3 heures, de faire déjà le chapitre 1. Prologue, l'appel des étoiles, c'est parti. Donc là, on est dans la phase... Concrètement, on va être dans la phase tuto du jeu. Oh, mais qu'est-ce donc? Je suis en train d'halluciner, je vois des esprits étoiles tourner autour de moi, que se passe-t-il? Et pourtant, je ne suis pas en train d'halluciner. N'empêche, il faut reprendre le concept. Il est, il a pris, je sais pas, enfin, il est tombé de je ne sais combien de mètres là, Mario. Mais tout va bien, Paul, il est vivant. La chance, il est blessé, il devrait s'en sortir indemne. Mais Bowser, la baguette étoile est devenu redoutable. Et même plus fort que Mario. Oh, calmez-vous. Aussi longtemps que nous serons là, il y aura de l'espoir. Notre destin est entre les mains de Mario, nous devons l'aider. Rassemblons-nous, donnons votre place à Mario. Où est ma canne, merde. Ah, et bien évidemment, avec le pouvoir des esprits étoiles, tu vas être vivant. Ouf, ça y est. Oh, on a fait tout notre possible. Mario, réveille-toi, je t'en prie. Ça ne dépend que de lui. Ou de moi, peut-être. Hé, on dirait que quelque chose est tombé par ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une chemise, une casquette et une moustache. Un nez à... Quoi? J'ai pas vu. Un nez, je vois mal. C'est forcément lui, notre héros Mario. Notre héros, normalement les Goombas ils sont censés être nos ennemis, mais très bien. Hé, hey, mais réveille-toi, tu vas te réveiller, oui. Zarba, ouais, wesh ma gueule, tu vas te réveiller, oui.
Oh mon dieu, c'est des racailles les Goombas. Wesh mon gars, c'est la famille. Ici c'est la famille Goomba, qu'est-ce qu'il y a, on pécho ici. On fait du fric, du pognon, on deal avec les Goombas, qu'est-ce qu'il y a. Wesh la famille. Faut pas faire chier Goomba. Qu'est-ce que je vais faire. Ah, pas un Goomba, Goomba, non. Elle va appeler de l'aide, je pense. Que j'ai envie d'un nouveau Paper Mario sur Wii U. Ah ben bien entendu, j'ai envie d'un nouveau Paper Mario sur Wii U et d'un nouveau Mario et Luigi. Ah ben bien entendu. En même temps, il est en papier, c'est vrai. Mario, tu m'entends Mario? Ah, oh, je suis sage étoile, l'un des esprits étoiles. Je vois pas les choses importantes. La princesse et le royaume champignon sont en grand danger. Malheureusement, je n'ai pas la merde. Youhou! Eh oh! Arrête de skip mon texte, bordel! Je n'ai pas la force de te parler pour l'instant. Mario, tu dois venir sur la colline aux étoiles filantes. Tiens, Mario, nous t'attendrons sur la colline. Ah, je disparais. Bien. Eh, où est-ce que je suis? Oh, Mario, tu as enfin récupéré, tu as enfin habillé, je suis si content! Oh, tu es resté inconscient pendant des jours, j'étais si inquiet! Ici? Ah, mais c'est le village Goomba, c'est un petit village à l'est de Toadville! Ah, les seuls habitants sont les Goombas et moi! Tu ne trouveras pas de Goomba plus gentil que ceux de cette famille! Ce sont eux qui t'ont trouvé inconscient dans la forêt et qui t'ont porté jusqu'ici! Bah, il y a des Goombas qui m'aident, hein, c'est louche, ça cache quelque chose! Hein, une étoile moustachue, quoi, mais tu dois monter à la colline des étoiles filantes. Mais non, je n'ai pas vu cette étoile, je suis certain que personne n'est entré dans cette maison. Peut-être que tu as simplement rêvé, et que tu es tombé de je ne sais combien de mètres, et que c'est un jeu, et que c'est bizarre que tu sois vivant. Et quoi que j'en doute, hein, ça devrait être un message d'esprit étoile. Ils habitent dans un vrai étoile. C'est logique. La colline aux étoiles filantes est l'endroit le plus proche de la vraie étoile. C'est logique, hein. Bah ouais, c'est ce que je disais, oui, c'est logique. Ah, qui sait, en tout cas, je suis content de te voir établi. Elle va remercier les Goombas, tu leur feras plaisir. Ah, je suis pas sûr, mais j'ai pas le choix. Ah, j'ai pas le choix, bien. Ah ouais, lui. Wesh, ouais, moi, Mario, je suis Goombario, ton plus grand admirateur. Ou tu sais pas comme je suis content de te voir de la balle atomique. Je crois que je vais faire cette voix. J'ai fait une voix de vieux. Ah merde. Oh Mario, bonjour. Tu vas pas m'appeler Goomba, Goomba. Non, non, viens de grand-père, Goomba. Non, non, non. J'ai vu mes petits enfants, ne sont-ils pas adorables? Oh, surtout la petite Goomba, je sais comme elle a son âge. C'est bien, papy, hein, tu prends tes médocs après. Bon, là, il vous explique qu'à chaque fois que tu heurtes le bloc sauvegarde, tu peux sauvegarder comme d'habitude. Et Mario, tu vas mieux? Ah, mais fais comme chez toi! Quoi? Tu dois partir? Oh, la colline aux étoiles filantes, c'est important, je crois qu'elle est proche de Toadville. Et tu vas pas sentir, je dois d'abord éprouver cette porte. Elle se couche de l'autre jour, l'a achevée. T'as senti? J'ai cru que le ciel nous tomberait dessus. Ouais, détends-toi, t'inquiète, reste cool, man. Ok. Alors attends, que je me souvienne. Il faut que j'y reparle. Peut-être, alors attends. D'abord, il y avait ça. Ah voilà, le grand-père. Faut savoir qu'il y a un boss. Oui, c'est possible qu'il y ait un. Oui, c'est possible qu'il y ait un boss secret. Mais du moment que tu dis pas son nom et ce que c'est, bah voilà, c'est pas grave, faut juste. Mais il faut pas spoiler. Mais ça m'étonnerait que je le fasse à 100%, je vais juste le faire de A à Z et c'est tout. Ah, tu m'as surpris! Oh Mario, c'est ça! Dangereux, je mets mes lunettes au cas où, hein! On fait la veillée, je t'ai su où t'en sortirais! C'est Goomba! Je suis le grand-père Goomba! Je m'appelle Goomba! On a compris, hein! Ah, désolé, mais tu pourrais passer plus tard! J'ai un fer à repasser, excuse-moi! Je suis en train de réparer la véranda! À ton âge!
Y'a papy. Ah écoute, de toute façon c'est pas mon problème, hein. Tu tombes, pff, pas mon problème. Wesh Mario, mon rôle de chair, je m'avais dit qu'il a fini de vous répondre à la porte. Ouais, tu vas parquer pour toi de vie, la colline de toile filante, hein. Attends, regarde pas, fous-moi la paix. Oh, il a réparé, lui. Ah, c'est bon. Ah, j'ai un peu skippé les dialogues, bon, c'est pas grave. Histoire d'avancer quand même un peu. Ah, j'en étais sûr. Mario, je ne reviens pas que du blister relevé après ton combat contre Bazer. Ah, t'es un vrai dur, toi. Hein? T'as eu de la chance sur ce coup. Quoi pas du tout, c'est ça. Ah, petite insolente, je suis la belle, l'unique, Kamikoupa. Si j'avais le temps, je te corrigerais. Mario, tu n'arriverais jamais à sauver la princesse Peach, moi. Bazer est mille fois plus fort que toi, tu n'arriveras jamais à vaincre. Voici un cadeau de sa part. Oh, oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh, flûte. Mario, tu vas cligner devant l'intérêt de puissance de mon roi. Le monde est nôtre. Et ça, casse-toi. Salut Alex, The Black Cat. Oh, je viens de réparer la porte et j'aurai ma claque, oh, c'est toujours pareil. Oh, vous êtes des racailles à chaque fois, vous défoncez les portes, vous n'avez aucune race. J'ai une magnifique moustache d'ailleurs. Ah, Camille Koopa, mais quelle pourrie. T'as entendu ce qu'elle vient de dire? Ah, la situation semble critique cette fois. Quoi? Bowser encore kidnappé après cette pitch? Oh là là, mais incroyable, incroyable. Non, mais attends, j'ai pas eu. Oh, incroyable! Et tu dois aller sur la colline aux étoiles filantes pour la sauver! Ah, ça va être difficile, hein! Ah, bah, on doit faire quelque chose! Mario est le seul à pouvoir sauver la princesse! Comme d'hab, hein! Et Luigi, il est où, hein? Te gratte la barbe, hein! Ouais, ça c'est une bonne idée! Ouais, on pourrait peut-être briser ce bloc avec le marteau de Goomba! Ouais, je crois qu'il s'en sert pour réparer la véranda! Il devrait lui demander! Ok, allons-y! Oh, lui, il va toujours dire la merde. Salut, Sissi. Et alors, je peux vous connecter sur tous les chats, sauf celui de TV1, je suis ban, je sais pas pourquoi. Ah bon, t'es ban sur la TV1? What the fuck? Il s'est basé. Bizarre. Ah, mais, il y avait pas une véranda? Ah, bah si. Ah, bah ouais. Sauf que, en réalité, dans la vraie vie, t'es pas Ah ouais. Ah ouais, non, mais il y avait peut-être quelque chose sous mes pieds. Ah, je vais tomber. Ah, je vais... Non, mais c'est sûr, je vais tomber. Ouais. Oh, mon dos! Oh, ma sciatique! Oh, purée! Oh, là, là, mais qu'est-ce? Oh, je vois pas mes lunettes! Oh, c'est pas grave. Ah, c'est toi, Mario. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu un énorme fracas, puis la véranda s'est effondrée. Tu tombais toi aussi! Non, j'ai envie de vivre, j'avais envie de visiter et voilà! Bien évidemment, je suis tombé! Ah, tu as pas, si tu es passé par la porte et il n'y avait plus de véranda! Oh, ouais, nous allons bien, hein! Même si j'ai mal au dos! Le problème, c'est que ce bloc nous empêche de passer! Ce bloc, il ne devrait pas être là, nous avons un problème! Oh, marteau, bien sûr! Mais attends, mais où est-ce qu'il est passé? Pour servir pour réparer la véranda, il devrait être dans les mises environ. Oh, il est nulle part, je suppose qu'il a dû tomber dans loin d'ici. Oh, nous cherchons-le. Ouais, allons-y. De toute façon, on va pas le choisir. C'est pas dimanche dernier quand tu y streamais, ça marchait. Ah, mais c'est bizarre que tu sois banni. Faut pas être bien loin, il ressemble à ça. Ce que j'adore, c'est qu'ils te mettent l'image à quoi il ressemble. Le chalon dans le buisson. Où est-ce qu'il y a monsieur appareil? Appuie sur A pour fouiller. Je sais où il est. Il est. Et là. Vous avez le marteau, Mario peut désormais attaquer avec. Vous pouvez briser les blocs jaunes avec ce marteau.
Oh, le voilà! Le voilà, c'est notre marteau! Oh, si tu t'en sers, tu pourras fracasser le bloc qui nous bloque! Blague, hein, le bloc qui nous bloque! Également te servir du marteau sur les arbres, des objets pouvant tomber! T'en sers, puis sur B! J'ai déjà pété tous les blocs. Essaye, FR. Attendez-vous Splatoon avec impatience. Oui! J'ai d'ailleurs vu le trailer, ça donne envie. Ça donne clairement envie. Et moi, je vais faire beaucoup de live dessus. Parce que comme l'a dit un peu Régis, fils aîné, Splatoon va être le Mario Kart de la Wii U. Et je pense qu'il a raison. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Bien, bon, nous avons trouvé le marteau, on rentre? Non, on campe ici! Ouch! Oh putain, ma sciatique, merde! Eh bien, vous êtes qui, vous? Vas-y, fais mon terrain, idiot! Mais personne n'est rentré vite dans mon autorisation! Personne! Vous pleurez à mes pieds, le maître! Maître Troupavouneur! Ouais. Mais c'est vrai que toi, t'es casse-couille. Ah, Mario, c'est trop pas Julien, c'est un petit dur et boule comme tu peux le voir. Ouais, ça se voit. T'es une grande gueule, je vois le battre facilement. Ah, booste-toi et tu lui fais pas de cadeau. J'ai pas de boost. Mais restez en retrait, t'observer. Salaud. Toujours à Mario de faire le boulot. La vie est dure. Oh, excellent, bien joué, continue. J'ai fait qu'appuyer sur A. De toute façon, je suis obligé de prendre les dégâts, je n'ai pas la commande action. Bon bah là, je peux juste spammer, hein. Là, je peux juste spammer. Hâte d'en voir plus sur ce plateau, j'espère que Necro sera positionné dessus pour des lives. Alors, ouais, bah justement, j'ai anticipé ta réponse. Oui, je ferai énormément de lives dessus. Je ferai même un day one sur Gaming Live. Ah mais bien entendu, hein. T'as bien entendu. Ne t'inquiète pas. Ah, vas-y, mets ta pleine puissance. Wouah, 2 de dégâts, ça fait mal. C'est vrai que ça fait beaucoup, très très mal. Tiens, vas-y, meurs. Oh non, yo, tu t'es bien battu, tu as gagné des points étoiles. Tu as des points étoiles pour chaque ennemi battu. Tous les 100 points étoiles, tu gagnes un niveau. Essaye d'en gagner un max. Et les pépites, et les pépites, et les pépites. Allez, non. Ah merde. Non, je gagnerai, je reviendrai, Mario. Mais vraiment, hein, je reviendrai. C'est ça. On te là-dessus. Viens, maintenant on va briser ce bloc, on va se regain. Ah. Donc là il vous dit que si on heurt en fait ce bloc là, ça te permet de te regain tous tes PC, donc tes points cœur, tous tes PF. Et c'est bien. C'est bien utile. Non mais je veux le pognon. Voilà. Moi, la moindre pièce est importante. Fleur de feu, c'est important. Donc là, on a trouvé des objets. Ils te disent que pour utiliser des objets, il faut passer par le stick gauche. Et tu peux utiliser des objets. Allez, c'est parti. On continue. Oh Mario, je vois des méchants Goomba. Ils servent pas de faire. Ils te voient et t'attaquent. Ouais, voilà, on s'en fout. Tu aurais réussi à attaquer un ennemi avec un saut ou le marteau. Tu auras l'initiative au début du combat. L'initiative te sert vraiment au secours. On va d'ailleurs faire. Initiative. Ah, ça a eu 0 fort d'Est. Paper Mario, jeu de l'amour tellement. Et moi, il me tarde de faire surtout la porte millénaire. Porte millénaire, ça va être un vrai plaisir de le retrouver. D'ailleurs, j'espère encore que ma Wii lit encore les CD. Sinon, je prendrai sur émulateur, c'est pas grave. J'espère qu'elle lit encore les CD. Sinon, je sais pas si c'est possible sur Wii de faire un dump d'un ISO GC. Je suis pas sûr, je sais que sur Wii on peut, et d'ailleurs dumper mon ISO Mario Kart, mais je sais pas sur un CD GC si on peut. Bon là, je vais juste faire un résumé, en gros il dit de pas sauter, voilà, d'utiliser marteau, hop, on va faire.
vraiment beaucoup aimé Second Paper Mario, c'est pas si souvent qu'on a des suites à la hauteur de l'original, tellement. C'est vrai, non mais Paper Mario Plan Millionnaire, ils ont fait vraiment un énorme boulot, mais de toute façon Intelligent System, pour moi, c'est le meilleur studio de développement. Avec aussi Alpha Dream. Alpha Dream qui fait des très bons Mario et Luigi. À chaque fois, c'est une réussite. Et ça, faut le faire, hein. C'est un vrai tour de force. Hein. Ouais, donc là c'est pareil, là ils te disent que c'est un Goomba ailé et que pour le toucher, il faut utiliser le saut. Et que si tu le touches une fois, ça va lui enlever ses ailes. Si tu le retouches une autre fois, ça le tue. Il a 2 PV. Là pour l'instant, je peux rien faire, hein. Je peux pas me défendre, j'ai pas de colonne d'action, donc je suis obligé de parler. Il y en a parmi vous qui ont acheté le code téléchargement, alors moi non. Parce que j'ai dépensé tous mes points étoiles dans l'OST de A Link Between Worlds. J'attends toujours d'ailleurs. Et que je passerai d'ailleurs pendant les lives. J'ai tort de l'avoir. Non mais la Wii U maintenant elle est moins chère qu'avant. Hein. Et il y a aussi une offre, alors je sais pas si ça intéresse les gens, il y a aussi une offre sur Amazon de la PS4. C'est-à-dire que si tu prends une PS4, maintenant jusqu'au 5 avril, tu as... l'un des jeux gratuits dont Bloodborne. Donc c'est à dire que Bloodborne normalement il y a 60€ facile. Et que là, avec cette offre, eh ben, tu peux avoir la PS4 à 399 ou moins, je sais plus exactement combien. Et un jeu gratos. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Mais moi j'ai pas assez de toute façon pour la PS4 donc ça sera pour plus tard. Ne guidez pas les enfants, grâce à Mario, je suis de retour sain et sauf. Et là, les gosses, oh non, il y a papy, et là, non. On s'était fermé, laisse-moi t'ouvrir. Et... Ouais, Goomba, où est-ce que, ouais, je suis t'étais passé. Où j'ai regardé Edouard, c'est waouh, le Ferronaï, toi, vous aviez disparu. Goomba, j'étais très inquiète à ton sujet. Ils sont les enfants, elle lui a fait le bac, je ne voulais pas vous inquiéter, calmez-vous. Puis ça est sauf. Et gaffe à ta sciatique, hein. En fait, avant que j'oublie, je voulais te donner ceci, Mario. Attends un instant. Ah oui, les badges. Je pense que ça va être ça. Tu vois, comme console, à part la Wii U, PS3, 3DS, Vita, New 3DS, DS, et PC. Et déjà pareil. Ouais, pardon. Ah, comment tu fais pour casser la tête à tous tes ennemis? J'ai appris la base, la boxe taille à la télé en suivant les cours de maître Kara de Tonneville. Je m'entraîne tous les jours pour être comme toi, t'as vu mes muscles qui sont pas mortels? Ouais, mon frérot, il a le coup de tête en béton. Quand il fait son coup de tête, ça fait mal! Ouais, viva et Goombaria, ouais, je suis timide, moi, bah, elle a bien raison. Je suis une racaille, moi, je suis racaille à Tessie, ouais. Pardon. Ouais, je vais t'avoir fait attendre, Mario. Ouais, c'est bon, on se tape à la discute avec Mario. Ouais, ça va, mon pote, wesh, Mario. On vous tapiez la discute, ah, désolé, ouais, il doit rester aussi. Non, tapez pas vraiment la discute, c'est surtout lui qui voulait que je parle. Je dois avoir encore la GameCube, mais je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Je dois encore l'avoir, mais je ne sais plus où elle est. C'est un badge, si tu le portes, tu pourras faire un super saut et faire encore plus mal à tes ennemis en sautant dessus. Attention, car tu ne pourras utiliser ce coup qu'en portant le badge. C'est le d'abord, c'est le blablabla, on s'en fout. Non! Tu ferais bien de m'écouter, c'est vraiment important, tu fais un rapide aperçu. Non, je vais l'expliquer moi-même. Là, je te fais confiance. Bon, surtout des points fleurs pour utiliser le super saut. Vous bien le splash, nous l'avons vu sur le retour. Voilà, toujours l'image, hein. On augmente à la fois les PC et les PF. Te sauveront la vie, certains dès que tu es à court de PC ou PF. Eh oui. Vas-y, va au fait Mario. Ah, pardon. Je croyais que c'était lui qui parlait. Mais Mario, Goomba m'a dit que tu allais sauver la princesse des grilles du thème bronzé. Ouais, Mario, pas qu'elle est bronzée avec une main attachée en dedans, wesh. Du calme, Mario. Mario, prends ce marteau.
Non, t'as truqué, là. Ah non, mais je l'avais... Non, mais trouver, c'est trouver, rendre, c'est voler, hein. Pour moi, ça y est, moi, je l'ai trouvé, il y a moi. Mais j'étais un peu plus... Si j'étais un peu plus jeune, je t'aurais accompagné. J'aurais cassé du compas. Ah, mais les années commencent à être pesantes. Mon pauvre Dorader, encore, mais ce qu'il a dit. Ouais, Shunken, moi, quelle chance. Ouais, sauver une princesse, je vais te mener en aventure un jour, moi aussi. Moi aussi. Oh, voilà l'idée, vous Mario. Ah, le timing est parfait, tu n'es plus un enfant, les temps sont durs. Ah, Mario, tu dois l'accompagner. Quoi, moi? Ouais, c'est vrai, Goomba, c'est pas... Ouais, mortel! Mario va bien se marrer. Ah, ça m'éclate. Hein. Non, Yoshi Hollywood, je l'ai même vu qu'il sortirait en mai. Il y a au moins 4 jeux qui vont sortir en mai. T'as Dragon, t'as Puzzle, Donjons et Dragons Puzzle. Je sais jamais. Puzzle, Donjons et Dragons Puzzle Cross Super Mario Bros. Qui va arriver le 4 mai. Le 29 mai, il y a Splatoon. Avant, il y a Kirby le 8 mai, je crois aussi. Il y a Codename Steam qui va arriver le 14 mai que j'attends énormément. Enfin, il y a énormément de trucs. Heureusement, il y a les streams parce que je suis trop crevé pour jouer. Ah, tu m'étonnes. Ah, il va faire une sieste. Ah, vas-y, tape-toi ta sieste. Tu as raison. Oh, trop cool, Mario, hein, allons-y. Attends, tu n'as plus beaucoup de PC. Ah ouais, tu devrais peut-être te reposer chez Toad. Wesh, mon ami Toad, si, ma gueule. Bon, j'arrête. Allez, on va faire quelques combats. Ah, le premier est résolu. Ouais, super. Ah non, mais ouais. Merci. Bon, on va faire quelques combats et puis après, je pense qu'on va faire une petite pause. Attention, Goomba! Trop tard! J'y vais quand même. Ouais, chez Mario, en combat, tu peux changer notre ordre d'attaque avec Z. Ouais, moi, c'est L, mais bon, ok. Bon, attaquer en premier, tu peux la sous-attendre, ok? Ouais, t'inquiète, j'ai pas besoin. Alors, mon fiston voudrait éventuellement en PS Vita pour jouer, entre autres, à Minecraft. Mais, j'ai l'impression... Ah, pfff, je vais y arriver. J'ai l'impression, en gros, que c'est pas terrible. Y a-t-il une rétro-compatibilité, genre jouer à des jeux PS2? Mais quoi, as-tu un avis? Il y a déjà une 3DS avec laquelle il joue raisonnablement, mais sûrement. Alors, la Vita, quoi qu'on en dise, est une bonne console. Mais la Vita, on va dire, est une bonne console pour des gens qui adorent tout ce qui est JRPG, RPG. Moi, je suis un grand fan. J'y trouve mon bonheur parce que je joue en ce moment à Is. J'ai terminé Tales of Earthsea. J'ai Persona 4 qu'il va falloir que je fasse. Et bien évidemment, tous les RPG qu'il y a sur le PlayStation Store, il y en a énormément. Si on enlève ce côté-là, la Vita est pas une énorme console parce qu'il n'y a pas énormément de jeux. Je ne sais pas en fait quel âge a ton enfant. Je ne sais pas en fait si les JRPG vont l'intéresser parce que les jeux qu'il y a dessus, très franchement, peut-être à part Uncharted qui va l'intéresser et encore, je pense pas que ça va l'intéresser. Déjà le fait qu'il ait une 3DS, c'est déjà très bien. Il y a énormément de jeux dessus et je pense que ça lui correspond plus. Ensuite, rétro-compatibilité avec les jeux PS2, non. Les jeux PS2, hélas, ne sont pas rétro-compatibles avec la Vita. Et pareil, les jeux ne sont pas rétro-compatibles, je crois, avec les jeux PSP, il me semble. Le grand, il a 10 ans. Ouais, je pense pas que ça va l'intéresser, une Vita. Je pense qu'il va plus s'y amuser. Ouais, bon, il y a Hatsune Miku, mais je pense que pour quelqu'un qui a 10 ans, ça va pas forcément l'intéresser, hein. Bah, j'en doute. Je pense pas que ça va l'intéresser de jouer à Tsune Miku. Même si c'est un bon jeu. Hein. Je dis pas, c'est spécial. Hein. Est-ce que vous pensez que Nintendo alors, va annoncer un nouveau Mario Luigi? Parce que je crois
Savoir qu'il faut attendre 2 ans pour voir les premières images d'un nouveau Mario & Luigi, et comme Mario & Luigi et Dream Team Bros est sorti il y a presque 2 ans. Allô? Allô? Pourquoi elle se met en pause là? Putain, mais la manette elle se met en pause de façon très bizarre. Très bien. Il devrait y avoir un nouveau Mario & Luigi prochainement, pourquoi pas Luigi et Mario & Luigi sur smartphone. Ouais, j'espère pas, surtout pas, putain, j'espère surtout pas, mais je pense qu'un prochain Mario Luigi sur New 3DS, moi je dis que c'est plus jouable, ou sur 3DS. Ouais, attends un peu, je pense, sur parce que la PlayStation Vita, après, si jamais il la veut, et qu'il est fan de tout ce qui est RPG ou JRPG, pourquoi pas, il va trouver son bonheur dessus. Mais après, pour moi, il y a très peu de bons jeux sur Vita, c'est vraiment spécifique, quoi. Moi, je pense qu'il va vraiment plus s'éclater avec une 3DS. Une 3DS, il y a largement de quoi faire. Et on va dire, c'est plus dans sa tranche d'âge, quoi. Il y a 10 ans, donc je pense que c'est plus dans cette tranche d'âge. J'ai pas compris pourquoi ça a fait ça. C'est bizarre. Enfin bon, soit. À la pédale. Il y a encore un combat ou pas? Bon, je pense qu'on va faire une première pause. On va se retrouver d'ici 5 minutes pour la suite de notre Let's Play sur Paper Mario 64. A de suite, ne bougez pas. On revient dans 5 minutes. On est bien, on l'est posé. A de suite, attention magie. Hop, oh là.